Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers abonnés à la newsletter. Bienvenue pour ce nouveau mois, le mois de juillet. On est en plein dans l'été, en plein dans l'énergie estivale. J'espère que vous allez bien. Et ensemble, on va regarder l'astro-guidance pour ce mois, signe par signe. Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez très facilement calculer votre ascendant et votre signe lunaire sur Internet avec votre date, heure et lieu de naissance. On va commencer avec nos amis béliers. Alors, comme d'habitude, je prends un peu de l'oracle G, un peu de la triade, l'oracle des anges, l'oracle de la forêt, et je termine par une arcane majeure du tarot de Papus. D'accord? Alors, je vais prendre trois cartes pour les béliers. Alors, bélier, énergie de juillet, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, les béliers. En juillet, il y a de l'énergie, ça c'est sûr. C'est un mois d'énergie. Alors, peut-être qu'il va falloir être dans l'attente, dans la patience, ou alors aller voir à l'intérieur de vous, parce que l'hiver, c'est vraiment une énergie intérieure. D'accord? Et pour renaître le printemps, d'accord? Ou alors, ce mois de juillet va être déterminant pour une période de 6 mois, 3 mois plus 3 mois, ou entre l'hiver et le printemps prochain. Voilà, on va voir avec la triade, plus précisément, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami bélier, ou ascendant bélier, ou signe lunaire bélier. 3. Alors, on a le pardon. Peut-être qu'une énergie de pardon est bonne pour vous. Donc, on a bien la confirmation qu'il s'agit ici d'une introspection, d'une mort et d'une renaissance. Voilà, c'est plutôt clair à ce niveau-là. Ok ? Donc, en juillet, vous avez cette possibilité-là. L'oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il vous conseille ? Résilience. On est clairement là-dedans. Hein. Soyez fort face aux épreuves, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc, mort, renaissance. Intériorisation, résilience. Voilà, ça va pas peut-être être un mois, on va dire, forcément facile, mais c'est un mois très porteur d'enseignement pour vous, les béliers. Le conseil des anges. Animal totem. Demandez à vos animaux totems, si vous les connaissez, demandez leur soutien et leur appui pendant ce mois de juillet. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire une méditation pour le demander. Et vous pouvez aussi tout simplement suivre les signes de la vie. Si vous voyez des animaux régulièrement, que ce soit sur des affiches ou en vrai, ou vous avez des signes comme ça, ou même vos animaux domestiques peuvent vous accompagner dans cette démarche. D'accord? Donc ça, c'est pour les béliers ou ascendants. Si vous êtes ascendant bélier, vous aurez un petit peu de résilience et de transformation personnelle à vivre en juillet. Alors, pour nos amis les taureaux pour cette énergie de juillet. Je vais bientôt faire la vidéo des énergies de la nouvelle lune, au fait, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aller voir ça aussi. Parce que ça va vous mettre dans la lancée du mois de juillet aussi. Hein. Alors, pour les taureaux, amis taureaux. Alors, 3, 3, 3. Taureaux. Taureaux. Le taureau, il y a une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais ce n'est pas la consultante. C'est plutôt soit la figure de la mère ou une femme. C'est certain. Donc, il va y avoir un eureka par rapport à cette personne. Et il y a de la créativité dans l'air. Donc, c'est peut-être une femme qui est liée à l'artistique. Il y a quelque chose. Ou si vous êtes une femme, développez votre créativité en juillet. D'accord? Je vais couvrir avec la triade pour voir un petit peu plus d'informations sur cette femme ou sur vous-même si vous êtes une femme taureau. Mais je pense que c'est une autre femme. C'est une femme, vous pouvez avoir confiance, c'est une femme lumineuse, d'accord? Alors le désert, soit ça veut dire que elle va vous aider à renaître, à passer votre désert intérieur. Je vais couvrir encore une fois, c'est quoi ce désert? C'est une femme qui est sage, donc elle va vraiment vous aider à traverser, hein. Ça c'est bien, au mois de juillet vous allez, peut-être que vous la connaissez déjà ou peut-être pas, mais en tout cas c'est une femme qui est créative, solaire et sage, donc elle va pouvoir vous accompagner. Par rapport à quoi, je vais demander à l'oracle de la forêt, mise en garde,
Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Elles peuvent vous aider à humilité. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir faire attention. Elle va peut-être vous accompagner à ça, à gagner en humilité. Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Peut-être que cette femme, elle va vous aider à gagner en humilité et en espoir. Voilà. Donc c'est une. Voilà. Après, c'est peut-être mes guides qui me font des petits clins d'œil. Reste humble, Caroline. C'est possible aussi. Donc voilà pour vous les taureaux, ascendant taureau. Il y a un accompagnement d'une femme pour vous. Ou si vous êtes une femme, mais je pense que c'est plutôt une autre femme, que vous soyez homme ou femme. On va aller voir nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter, nos amis les Gémeaux, pour le mois de juillet? Ah, les Gémeaux, ils sont très bavards souvent. On a de l'énergie aussi pour les Gémeaux. On a de l'énergie. On a la Kundalini. Alors, c'est soit la Kundalini, soit des cancans, des jalousies. Et le désert. On va voir si c'est un truc énergétique à régler ou plutôt relationnel. Les Gémeaux en juillet. Gémeaux, juillet, Gémeaux. Gémeaux ou votre ascendant d'ailleurs. Il y a un choix à faire, amis Gémeaux, d'accord? Il s'agit d'un homme ou si vous êtes un homme, c'est vous. Et il y a de la culpabilité. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous culpabilisez. Et du coup, il faut travailler sur vos énergies, d'accord? Peut-être que vous pouvez attirer aussi la jalousie et que ça vous freine. Vous dites non, je ne vais pas trop avancer parce qu'il y a des gens qui vont être jaloux. Voilà, il faut libérer ça, d'accord? C'est important. Ça, c'est pour le mois de juillet, amis Gémeaux. Et on vous dit les sous-bois, soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc, vraiment, on se détend, on ne culpabilise pas, on lâche ça. On lâche la culpabilité, on lâche la peur du regard de l'autre, amis Gémeaux, pour faire des choix et avancer. D'accord? Si vous avez un choix à faire et que vous avez peur du regard d'autrui, voilà, travaillez là-dessus. On va demander le conseil des anges par rapport à ça, amis Gémeaux. Pouvoir de concrétisation, voilà, c'est ça, c'est réalisez-vous, hein. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités pour attirer les résultats concrets à vos souhaits. D'accord? Donc on ne culpabilise pas, amis Gémeaux, on se réalise pleinement et on n'a pas peur du regard des autres. D'accord? Ou votre ascendant au signe lunaire. On va aller voir maintenant nos amis les. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, les cancers, merci. Alors, on va aller voir nos amis les cancers. Alors, les cancers pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis cancer ou ascendant cancer, le lointain, le voyage, alors la solitude peut-être un peu, et la santé. Donc, on va voir avec la triade de quoi il retourne pour vous. Ok? Alors. J'ai décidé aussi que j'allais ouvrir cette vidéo à pas forcément mes abonnés. Voilà, parce que je sens qu'il faut ouvrir. Donc j'ouvre. Ok. Mais merci de vous abonner à la newsletter. Alors il y a une petite épreuve qui va venir du lointain. Il y a un deuil à faire peut-être, un deuil relationnel, un deuil sentimental. D'accord? Donc on se dit, soit vous êtes célibataire et ça vous rend malade, hein, clairement. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Soit il y a un deuil à faire d'une relation précédente. Et j'ai complètement zappé de donner l'arcane. Alors, je vais terminer avec les cancers et puis je vais revenir pour vous donner l'arcane. Désolée, hein. Donc, pour les cancers, on a retraite, profiter de la brume matinale pour respirer les essences de la forêt. Donc voilà, on essaye de prendre du recul par rapport à sa vie sentimentale, parce que ce n'est pas forcément évident. Et on demande à l'archange Michael pour couper les liens, si vous n'avez pas fait le deuil d'une relation, ou pour couper ce qui vous empêche d'accéder à une relation sentimentale. D'accord? Ça marche? Je vais vous sortir pour vous les cancers. L'arcane qui vous correspond, et puis je vais le faire aussi pour les taureaux, les gémeaux et les béliers.
Donc vous, c'est le battleur. Donc on commence quelque chose de nouveau. D'accord? Ou on fait en sorte de faire le bilan pour commencer quelque chose de nouveau. Je vais revenir pour les béliers, pardon. Hein. Pour les béliers, c'est l'impératrice. Vous regarderez sur Internet, l'impératrice, c'est vraiment les idées, la gestation, le fourmillement d'idées. La confiance en soi aussi. Pour les taureaux, on a la roue de fortune. D'accord? Donc c'est le mouvement, le changement. Et pour... voilà, c'est ça. Donc j'ai bien vu ça, le battleur. L'impératrice et la roue de fortune. Voilà. Et j'ai oublié... Je suis un peu embrouillée ce matin, je sais pas ce que j'ai. Et les gémeaux, je crois, je sais plus si j'ai choisi les gémeaux. La roue de fortune, donc peut-être que c'était les gémeaux aussi. Bon, excusez-moi, j'ai un petit couac de début de vidéo. Mais en tout cas, pour les cancers, on en est là. Vous inquiétez pas, il faut demander de l'aide. Il y a peut-être des blocages énergétiques qui vous empêchent d'avoir ce que vous voulez au niveau affectif. D'accord ? Ensuite, on va aller voir nos amis les lions. Alors, les lions, qu'est-ce que vous avez à... Les lions. Merci. Alors, hop. Ok, tu veux celle-là, d'accord. Alors, les lions. Les lions, on a la fin de quelque chose, une démarche pour faire la fin de quelque chose et trouver la paix. Il y a beaucoup de notions de deuil et de nettoyage, j'ai l'impression, hein, dans ces énergies de juillet et de cette nouvelle lune. Allez, on va couvrir pour voir pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Et oui, il y a de l'évolution, les lions. Il y a une démarche qui est renforcée et vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir. Ça, c'est super chouette. Il y a peut-être un contrat dans l'air aussi, on ne sait pas. Alors, que dit l'oracle de la forêt pour vous? Confiance. Ayez confiance en vous. Vous allez y arriver. Ça, c'est super. Que racontent les anges pour vous? Chant et danse. Voilà, il faut chanter et danser. Voilà, pour vous remettre le corps en mouvement, l'énergie en mouvement. Alors, je vous ai préparé un joli décor. Vous voyez? J'avais mis ça. Je vais peut-être continuer comme ça d'ailleurs, tiens. Allez, pour vous. Vous voyez, ça c'était les lions. Vous aviez la réussite, la démarche, la fin de quelque chose, encore le contrat, un double contrat, double réussite, l'élévation spirituelle et enfin la paix. Et ça, c'est super chouette. Ça, c'est génial. Je vais rester comme ça pour la suite de la vidéo, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et je vais choisir, avant de l'oublier, la carte de l'oracle de Papus qui correspond au lion. Hop là. Et encore la roue de la fortune. Bah, en même temps, vous changez de cycle. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Eh bien, très bien, amis lions ou ascendant lion, on va aller voir nos amis les vierges, dont je suis l'ascendant. Je vais prendre note aussi de ce qui se trame en juillet. Pour les vierges. Alors, trois cartes pour les vierges. Deux, trois. Hop. Alors, amis vierges, on a une femme, du spirituel, et c'est certain. Donc, il y a peut-être une femme avec de l'énergie spirituelle. On va couvrir avec la triade pour voir. Waouh, elle s'emballe un petit peu les cartes. Attendez. Hop. Allez, on couvre pour les vierges en juillet. Hop. Je vais bien mettre comme ça. Et les vierges en juillet. Ok, celle-là. D'accord. Alors, les vierges en juillet, cette femme... C'est une femme initiatrice qui va vous initier. Elle a des clés pour vous. Alors, mensonge. Soit elle vous apprend à aller au-delà de vos illusions personnelles, soit... Mais après, comme c'est une initiatrice et des clés, ce serait étonnant que ce soit une mytho, si je puis dire. Alors, clairière, faites de la place pour grandir. Moi, je pense au ressenti. Je vais en reprendre une autre. Alors, le mensonge, ça concerne la personne, le temps, ouais,
Et l'isolement. Peut-être que, ouais, je pense qu'elle va vous aider, cette femme, quand même, à sortir de d'illusions, de choses comme ça. Alors. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, hypersensible, né pour montrer le chemin. Donc, soit cette femme est dans cette énergie-là, indigo, hypersensibilité, soit c'est vous. Mais je pense qu'elle va vraiment plus vous aider à faire preuve de discernement. On va regarder. La carte de Papus qui vous correspond pour ce mois de juillet, la tempérance. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est de prendre du recul sur les choses, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment ça, amie Vierge. D'accord? Peut-être mettre de l'eau dans son vin et pas forcément se faire des films. Mais on nous invite quand même à la prudence. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que voudra cette femme. Ouais, vous verrez bien. Donc on va dire peut-être faites preuve de mesure, que ce soit dans l'engouement ou la relation ou le lien, sans être paranoïaque non plus, sans être négatif, mais juste prendre du recul. En tout cas, cette personne, s'il y a de l'initiation, il y a une certitude et il y a de l'apprentissage. D'accord, amie Vierge? Ensuite, on va aller voir les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de juillet? Les balances. Alors, balance, juillet. Balance, juillet. Hop là! Alors. Ah, de l'abondance, le soleil, l'équilibre, la justice, vous êtes balance. Et les amis, ça c'est très bien pour vous, amis balance. Vous êtes bien inspecté dans votre signe là, apparemment. On va couvrir avec la triade. Hop, pour les balances, qu'est-ce que ça raconte? La sagesse, alors ça c'est super chouette, la clairvoyance et le temps. Eh bien écoutez, c'est un super mois de juillet qui vous attend, amis balance. Vous allez avoir la sagesse de trouver l'équilibre. Et puis vous allez peut-être passer du temps avec vos amis, tout simplement. Qu'est-ce que l'oracle de la forêt a pour vous? Ah bah regardez, la carte qui est sortie. C'est quand même beau, hein? Les amis, amis balance. Alors voilà, hein, que demande le peuple, hein? Amis, amis. Amis, amis. On va demander le conseil des anges par rapport à tout ça. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être authentique et sincère avec vos amis. Ça, c'est sympa. Chakra de la gorge. Et la carte de Papus qui vous correspond, ami balance. Le jugement. Donc voilà, il y a un appel, protection, renaissance. Donc ça, c'est bien. Vous irez voir aussi la symbolique de cette carte. Ça, c'est très très bien, ami Balance. Très 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 bien. Très très bien. On va aller voir nos amis les scorpions maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter, les scorpions? Hop. Les scorpions. Alors, les scorpions pour le mois de juillet. Les scorpions. Du coup, j'ai la chanson I'm Still Loving You dans la tête. Merci les gars. Les guides sont des petits coquinous. Alors, les scorpions. Scorpions. Mois de juillet. Tac, tac, tac. Alors, pour le mois de juillet, les scorpions, un petit sentiment de solitude, une femme sage et un déplacement, un déménagement, un voyage. Ok, on va voir avec la triade pour les scorpions. Scorpions en juillet. Là, alors, faut prendre le temps, les scorpions. Faut pas se presser. Ou alors, ça fait longtemps que vous vous sentez seul. Ah oui, l'amour, vous recherchez une femme, une vraie. Ou en tout cas, ou un homme qui est aussi équilibré dans ses énergies masculines, féminines, attention. Voilà, bah, il faut méditer, il faut faire des voyages intérieurs pour aller chercher ça, d'accord? Alors, ce que vous conseille, voilà, il faut aller chercher de la joie dans la méditation et vous allez attirer ça, l'amour.
D'accord? Le conseil des anges par rapport à ça pour les scorpions. Les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Peut-être demander l'aide des fées dans cette situation. D'accord? Alors, l'arcane, du tarot de Papus qui vous correspond. Encore une fois, la tempérance, eh bien, faites aussi preuve de tempérance, de patience et entrez en méditation, amis scorpions. Je fais des rimes. Ça, c'est très très bien pour vous. La tempérance, la méditation, laisser le temps au temps et le voyage plutôt intérieur pour le coup. Hein. D'accord? Ensuite, on va aller voir nos amis les Sagittaires. Alors, Sagittaires. Alors, les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, à juillet, Sagittaire. Hop. L'amour, une jeune femme et l'élévation spirituelle. Intéressant. On va aller voir avec la triade de quoi il retourne. Alors, pour les Sagittaires, en ce mois de juillet. Le pardon avec l'amour, il y a une épreuve à passer et c'est une bénédiction pour évoluer, quoi qu'il arrive à mes Sagittaires. Alors, incertitude. Donc peut-être qu'il y aura une petite incertitude sur le plan sentimental, mais c'est quelque chose pour vous aider à évoluer. D'accord? Et le conseil des anges par rapport à ça. Annule et efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, je pense que c'est un petit peu de négativité qui vous crée un espèce de brouillard et vous ne savez pas trop. Et donc, ça vous crée de l'incertitude. Donc, il y aura une petite épreuve par rapport à ça. Voilà. Je vais demander l'arcane majeur qui correspond au Sagittaire. Alors, pour ce mois de juillet, on a la papesse. Donc, la papesse, c'est vraiment vous inviter à prendre du recul, à méditer, voilà, à vous observer. Et je pense que là, il s'agit d'observer vos pensées, surtout. D'accord? Alors, on va demander au Capricorne maintenant. Hop. Les Capricornes, votre énergie pour ce mois de juillet, ami Capricorne. Ah ben celle-là l'a sauté. On invite à la prudence quand même, ami Capricorne. Peut-être attention aux jaloux, attention aux personnes médisantes, mais vous êtes protégés. Donc ça c'est bien. Alors on va couvrir avec la triade. La triade, hop, hop, les Capricornes pour ce mois de juillet. Alors, prudence, peut-être dans vos échanges à l'écrit, ou soyez prudent dans vos démarches. Essayez de regarder avec objectivité vos relations, et de toute façon, vous avez de l'énergie de protection avec vous. Donc, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à la forêt pour ce mois de juillet, pour les Capricornes? La patience. Voilà, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, on vous invite à être patient. Et le conseil des anges pour vous, l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, si vous êtes patient et intègre, vous aurez la protection avec vous. D'accord? On va regarder l'arcane de Papus qui correspond pour vous, amis Capricorne, en ce mois de juillet.
Le battleur, lui aussi, donc vous êtes dans le départ de quelque chose, la préparation, et on vous demande d'agir avec prudence et avec intégrité, et tout se passera bien. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir les significations des signes, enfin des arcanes majeurs sur Internet, parce que c'est assez intéressant et complet. Voilà, patience, ami Capricorne. Patience. On va aller voir les Verseaux, dont je suis native en signe solaire. Qu'est-ce qu'on a pour nous, les amis, les Verseaux, pour ce mois de juillet? Alors, Verseau, juillet. Hop, hop, hop. Alors, de l'abondance, de la santé, peut-être des petits imprévus. Donc on va voir si ça concerne les finances ou la santé. Alors... Hop. Alors, le retour de l'argent, donc ça c'est bien. Moi j'attends effectivement, il y a une situation comme de remboursement qui se met en place plus ou moins. La clairvoyance peut-être par rapport à votre santé, et l'imprévu c'est plutôt d'ordre énergétique dans vos énergies. Ouais. Alors on va demander le conseil de la forêt pour ce mois de juillet. Pour les Verseaux, la gentillesse, faites une pause près d'un étang, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Voilà, donc on est cool les Verseaux, on est altruiste, hein, mais il faut aussi penser à soi. Et le conseil, oh, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps pour moi, végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc voilà, on ne mange pas n'importe quoi les Verseaux et tout se passera bien au niveau de votre énergie. On fait attention, c'est une indication des guides. Hein. Donc voilà, l'arcane qui vous représente pour le mois de juillet, ami Verseaux, c'est... la justice, équilibre, voilà. Donc, on est dans l'équilibre, hein, que ce soit au niveau financier, énergétique, physique avec votre corps physique, ami Verseau, et tout ira bien, d'accord? Ok, ok, ok. On va terminer avec nos amis les poissons. Hop. Oula, un truc qui est tombé. C'est mon Bouddha qui est tombé. Pouf! Alors, les poissons. Les poissons, pour votre mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Opportunité, amis poissons, abondance, et il y a du monde avec vous, ou en tout cas la ville. Sympa. Alors, hop, poisson, poisson, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opportunité? Il y a de l'émotionnel. Donc là et là, c'est vraiment du matériel, hein. Ah, il y a peut-être de la concurrence, peut-être, ou alors vous avez réussi à faire face à l'adversité au niveau de l'abondance matérielle, c'est possible aussi. La résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie aussi. Donc on a, voilà, peut-être faire attention, il y a peut-être de l'adversité, de la concurrence. Je vais voir avec les anges, quel est le conseil pour vous, amis poissons? Lâcher prise, ok, on lâche prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. Donc, que ce soit potentiellement de l'adversité ou des adversaires, lâchez prise et ça va bien se passer. Ok, on va demander ce qui correspond pour vous en termes de
Voilà, c'est l'arcane sans nom, la mort, hein, bon là elle est signifiée. Voilà, faut nettoyer et c'est en lâchant prise. Et je pense qu'il y a peut-être un nettoyage émotionnel qui va arriver pour vous aussi, amis poissons. Vous êtes un signe d'eau, hein, c'est un signe émotionnel. Donc si vous nettoyez les émotions par rapport peut-être à des inquiétudes, ça ira. D'accord? Je pense que c'est ça le message, ouais. Donc voilà. Pour les 12 signes du zodiaque, ce que je vais faire, c'est que dans le descriptif, je vais dire à quelle minute correspond quel signe, comme ça, si vous avez envie d'aller directement à votre signe, vous pourrez y aller. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Moi, je continue en juillet les guidances. Voilà, je me fais des vacances en août. Je continue les lectures d'âme, donc par téléphone toujours pour le moment, puisque je fais des travaux dans mon cabinet. Et puis pour ceux qui vont regarder le reste de ma newsletter, si vous n'êtes pas encore abonné, je vais mettre le lien en commentaire aussi, en descriptif. J'ai un nouveau service qu'on m'a envoyé, que j'ai canalisé, donc que je peux transmettre et vous faire bénéficier. Puis il y a d'autres choses qui arriveront en septembre aussi, mais j'en parlerai peut-être en temps voulu. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Ciao.